Alors, comment travailler votre grand entelé? Votre grand entelé, c'est celui-là, là, que vous voyez là, sous le bras. En fait, c'est très utile lorsque vous gagnez un trophée. Comme ça, quand vous le soulevez, bah, tout le monde voit que vous avez le grand entelé. Donc maintenant, comment le travailler? En fait, c'est très simple. On va se diriger sur cette machine-là. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre votre bras comme ça, d'accord? Et vous allez vraiment, après, là, il y a un peu trop lourd, on va diminuer le poids. Et ce que vous allez faire, en fait, avec cette machine-là, c'est faire ça. Okay, vous allez vraiment rester droit et appuyer sur le grand entelé. Mais ce qui est très important quand vous le faites, d'accord, quand vous prenez la machine, c'est vraiment de lâcher votre bras là pour que le coude soit détendu et d'appuyer sur le grand entelé. Okay, donc je vais vous le montrer avec la machine là. Vous pouvez le faire aussi avec une corde. Donc là, je vais le faire avec la corde ici. Donc là, je prends la machine comme ça et je vais appuyer comme ça. Okay, vraiment sur le grand entelé du main. Regardez comment le grand entelé sort, comment c'est incroyable. Ok, regardez comme il sort de fou. Ça, vous le faites pareil avec l'autre bras. Vous pouvez le faire aussi des deux mains en même temps, mais moi je préfère toujours le faire une seule main. Et après, vous avez vraiment le grand entelé qui sort et c'est vraiment magnifique, surtout quand vous soulevez un trophée, quand vous êtes sur scène et tout, c'est vraiment la classe.